Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons tenter avec l'équipe de Witty Game. J'ai nommé Yannick. Bonjour. Ici présent. Bonjour Yannick. Camille. Bonjour. Bonjour Municipal. Super Camille, m'a-t-on dit. Et la splendissime Marion. Comment vas-tu Marion? Toujours très bien. Toujours très bien. Mais tu redoutes notre ami Camille, je crois. Tu m'as dit qu'il était très fort. Oui, donc, j'en ai peur. Tu en as peur. Moi, je ne me fais pas peur. Moi, si je peur, je peur. J'y mets pas mon propre. Donc, nous avons dans les mains une boîte de Witty Pong, toute neuve, toute récente. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, 8 ans et plus. Tu es majeur, Marion? Oui, j'ai plus, oui, t'as plus temps. De 8 ans. C'est parfait. 10 minutes la partie, un petit jeu rapide, familial. Petit jeu rapide, pour apéro, pour les enfants, pour les adultes. Signé Antoine Boza et Bruno Catala, qui ne sont pas les premiers venus. Et que nous saluons au passage. Mais vaut mieux. Petit bonjour. Je me suis laissé entendre dire que Bruno Catala était un peu, oui, un peu ultra-violent. Donc, je pose, parce que je pote ne veut rien dire, je pose cette boîte par-devers moi. Et nous allons entamer une partie. Normalement, les gens, les internautateurs, ont visionné l'explication. Oui. Donc maintenant, nous allons jouer. Donc, qui commence? Normalement, celui qui a joué au ping-pong la dernière fois. Ah, c'est pas moi. Il y a 2 mois. Je crois que c'est dans la règle officielle stipule que c'est le plus poli. Le plus poli. C'est ça, Marion? Je me prends mal, là. Oh, ça va, c'est une petite vanneur et tout. Alors, je veux bien commencer. Règle chère à monsieur Bruno. Je commence par tourner une carte. Là, je tourne une carte tout de suite. Ouais, là, c'est immédiat. Immédiateté du jeu. Est-ce qu'il y a un délai? Je suis pas pressé. Je peux prendre mon temps pour dire le truc. Sauf s'il y a une banne. Sauf qu'il faut pas regarder la carte. Hein. C'est vraiment dans tu l'action. Tu peux mettre la pression sur tes adversaires en jouant très rapidement. Ouais, tu les prends dépourvus. Hop, boum. Donc, je fais ça. Et là, je dis pong. La pong, ouais. C'est ouais. Bon? Là, c'est à moi de jouer. Boum. La ping. Réactivité. Ting. Voilà. Attention, parce que là, on joue en mode expert. Hein. Donc, attends. Et là, donc, c'est king. King. Bon, bien joué. Alors, attends, parce que là, moi, j'étais sur le début des enfants qui jouent, là. Mode expert. C'est-à-dire qu'on a en mode expert, on a intégré quoi comme règle? Là, elle doit dire… Le K. Comme il y a du T en majorité… Ouais. Là, c'est K. C'est le cas, c'est ça? Ah, j'ai oublié les règles expertes, déjà, j'ai jamais joué, c'est la première fois que. Bon, on y va, de toute façon, je m'en fous, j'ai peur de rien. Après, jeune Camille, regarde bien cette carte. C'est parti. Voilà, donc là, c'est une majorité de bleu, et donc je vais dire, comme il y a 2 T, et c'est du. C'est un K, donc c'est Kong. Tong. Pourquoi Tong? Parce que. 2 T. Il y a 2 T et 2 bleus. Ah, et on dit le contraire, donc ok, voilà, c'est la règle expert. Quand on a jamais. Le jeu est fait pour se tromper, puisque. Surtout, il est fait que j'ai jamais joué, on met la main et la règle expert rentrée. C'est pas grave, cette partie va durer 3 minutes. Vas-y, à toi. Hop. Donc là, c'est. Là, tu peux dire, il y a une banane. Donc là, tu dis. Pong, pong, pong. Là, je. Hop, ta banane, bam. Vas-y, à toi. C'est parti, pression. Pomping. Allez, bien. Pomping. Non, ah, bah, ça. Et là, tu me donnes le petit jeton. Ok, c'est à moi. Pression. Donc, j'ai le droit de réfléchir un petit peu avant quand même, parce que là, je sais qu'il y a une majorité de bleu, donc il va falloir dire le. Attends, j'ai le droit de regarder ça. Majorité de bleu, c'est le Hong. C'est le Hong. C'est les gorilles pollus. C'est le Hong. Majorité de bleu, c'est Hong. Hong. Donc, avec les T, si je fais ça, par exemple, là, je dois dire Kong. King. Kong King. Kong King, parce qu'il y a 3 bleus. 3 bleus, 3 progressivité des Kong King, là je me suis gouré, c'est ça? Ouais, là tu vois. Forcément, ça saute. J'ai à peine intégré la demi-règle du début de la partie. Que... Vas-y, jeune Yannick, à toi. Alors là, il va falloir dire Tong. Au taquet. Au taquet. Ping! Hop, tu me donnes la banane. Et là, Camille. Ah non, mais pourquoi? Mais il n'y a pas de banane. Il n'y a pas la banane. Oh là là, tu perds une banane. Ouais, et puis moi, je propose aussi un gage. Comme tu t'es gouré, tu vas jouer avec un gage comme ça. Merde. Je vais finir tout blanc. Ce qui est bien, c'est ça. Hein. La petite pression. Ping. Voilà. Ping, parce qu'il y a 2P et qu'il n'y a pas de majorité. Voilà. Okay. C'est quand il y a des majorités qu'il y a votre règle de variante d'expert. Exactement. C'est ça. Hein. Donc là, il y a une variante. Alors là, je dis King Kong, oui. Bah, oui. Il y avait une banane? Non. Et là, il y a une banane, là. Non, tu l'as dit avant moi. Ouais. Donc, je donne mon truc, voilà. Ben, merci pour cette partie. Mais tu n'es pas J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec vous. Mais non, mais le phénix, tu reviens. Pourquoi? Tu peux nous repiquer. Ah, je peux continuer de jouer pour repiquer. Ah, d'accord, d'accord alors. Voilà. Oh, bah, c'est roule. C'est là j'avais pas vu la banane, j'avais pris mon temps pour analyser le. Attention. Donc, excuse-moi. King. 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 Non, il y a une banane. Ah, si, t'as le droit, oui. Il a le droit de se dire avant lui. T'aurais pu me piquer une banane. Pong. Pong. C'est limite, là. C'est limite l'hésitation, là, quand même. Pong. Bon. Alors, normalement, là, tu ne parles plus. En fait, tu reviens dans la partie. Tu reviens dans la partie si tu repiques une banane. C'est-à-dire si tu reprends la parole par rapport à quelqu'un. Ah ouais, d'accord. Allez-y, amusez-vous. Hop, tac. Tong. 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 Voilà, tac.
Tong. Pong. Moi, j'ai une petite astuce que j'avais remarqué déjà pour pas se faire niquer avec le mode expert comme je venais de le faire. C'était au moins de garder quand il y avait des doubles couleurs, de regarder au moins une rouge pour pas que tu refasses. Ce que je viens de dire n'est pas très clair, mais dans mon esprit, c'est clair. Avec le petit coup de la banane, par contre, l'autre. Ouais, je n'ai pas regardé la banane, j'étais ailleurs, jeune ami. Il surveille ça, il tente de réagir. Mais là, tu viens de me donner ton petit jeton. La victoire est à deux doigts, là. Est à deux jetons. À toi, Marion. Hop, la balle. Ok. Mais je tente. Je t'ai joué avant l'aile. Ah oui, j'ai pas le temps de réfléchir. Tu bouges le truc avant parce qu'il y a une banane, tu peux le faire à sa place. Ok, très juste. Mais Marion, on va aller faire un truc tous les deux. Ouais. Tu es majeur. On ira boire un café là-haut avec les autres. Il y a pas de. Parce qu'on va bientôt perdre tous les deux. Non. Ça, c'est un jeu où tu peux boire des. Je peux retourner mon truc là. Tu bois. Non, ça va. Ah, je retourne rien. Mais tu es là, tu oses aguer. Là, j'ai dit con. Là, tu pouvais parler avant moi. Ouais, mais j'ai dit con. Mais là, j'ai dit con. Alors, je peux rien te donner parce que j'ai rien. Donc. Ping. Marion, il était lent quand même. Pong. Non, mais c'est Pong. Là, c'est Pong. Non, c'est Pong, c'est moi qui l'ai dit Pong. Il a dit Pong, donc il te prend la banane. Ah, okay. Arbitre. Non, mais j'ai dit Pong. Moi, je m'étais trompé, mais tu avais dit la réponse. Ah oui, j'ai entendu. Non, mais là. Il a parlé moins fort que toi, mais. Ça demande beaucoup de fair play, le jeu. Certainement pas, monsieur. Le fair play, c'est à qui donc? Allez, on est parti. Kong. Oh, j'ai pas intégré ce truc de Kong et Tinky. Kong. Pomping. J'ai pas regardé ce qu'il a fait. Il n'y a pas la banane. Il n'y a pas la banane. Il n'y a pas la banane. Super. Et donc mais tu as pas dit. On s'en fout. Tu as pas dit. Bah, il s'est trompé en fait. D'accord. Donc, la même chose. Donc c'est Tong. Là c'est Pomping. Ah, je m'en suis rendu compte au moment où je l'ai dit. Mais... Ça fait passer quoi. Tongting. Pomping. Ah, mais là c'est libre. Il peut y avoir de... Là, c'est la finale, en fait. Hein. Donc, Tong. Là, j'ai failli dire. Il y a une banane. Ting. Ah, elle l'a dit avant, Marion. Moi, je dis Marion. Non, mais Marion, tel le phénix, elle revient. Au taquet. Tel le phénix. Et Camille, ça s'épuise. Hein. Donc, moi, je suis pas mal, du coup. Hein. Ting. Hop, non, la balle. Non, et tu me donnes le jeton. Cette balle, mais j'ai vraiment dit ça. Kong. King. Ting. Oh, m'en fous, de toute façon. Attends, c'était quoi en fait qu'il fallait dire? Là c'est Ting. Il faut s'entraîner un peu. 2T, 2T. Ouais, 2T, ça commence par T. Moi je l'ai dit. Ouais, non, mais tu peux me le répéter 50 fois tant qu'on n'a pas fait une partie d'abord normale, puis un peu plus sophistiquée. Et oui, bon. Si tu veux. Hop, la balle. C'est Camille, il est aux aguets là. C'était chaud. Tu peux la bouger où tu veux. Hop. Tac. King. T'es sûr? C'est un King. 3T égale K. Hop. Tac. Mais si tu mets ta main devant, je la vois pas moi. Ah, mais. Non, non, mais là, avec ta main devant, t'as eu le temps de la voir. Il y a une petite fête de jeu. Bah oui. Ting. Ting. Ting, c'était Ting. Parfait, parfait. Marion, reviens. Vas-y, Marion, c'est à toi de retourner. Ping. Ping. À moi. La balle. Hop, Ting. Ah non, là, c'était Ting. Ting-tong. 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 Donc, t'es sauvé, monsieur Camille. Marion. Il t'en reste plus qu'un, toi. Ouais. Alain, vaincu, va perdre. Hop. Mais non, il n'y avait pas de banane là. Non, mais ça. Ouais, c'est pas de banane. Il n'y a pas de banane là. Excusez-moi. Hein. Oh là là. On approche de l'heure fatidique. Attention là, il faut que je me ressaisisse. Bon, mais il a gagné. Hop, la balle. Et là, j'ai gagné. Ah là là. Eh oui. C'est ça. C'est ça la magie du ping-pong. Verbal. Ok, bon, bah, on a vu comment ça fonctionnait, on a vu que ça pouvait donner. Jeu d'ambiance. Vous m'avez un peu cueilli à froid, parce que comme j'y avais jamais joué, faut déjà intégrer le ting, le ton, les six règles experts d'un coup. Mais c'est un jeu apéro, faut se chauffer un petit peu. Mais je ne prends jamais d'apéro. Non, en plus, c'est mal, attention. Pour prendre de l'apéro, faut avoir des amis et je n'ai pas d'amis. Donc je prends jamais d'apéro. C'est un truc, tu vois. Tu prends des apéros, jeune Marion? Grenadine. Tu as le droit à l'alcool, c'est vrai. Ok, ben merci pour cette présentation. Je remonte petite boîte, c'est Witty Pong. Petite boîte collector numéro 272. Comment ça, collector? C'est-à-dire, explique-moi cette chose. Petit numérotation. Voilà. Petit scellabule, petit algorithme. Parce que vous allez mettre 5000 trucs comme ça sur les 5000 boîtes? Ça, c'est pour les Edinotes. Edinotes qui ont pris. Ah, d'accord. Voilà, c'est le petit cadeau. Ah, d'accord, collector. Le petit truc en plus. C'est le petit bonus. Ils sont là depuis le départ et ils ont soutenu le jeu et ils ont droit à leur petite boîte collector. D'accord, collector. Il y a des systèmes d'achat de parts. D'ailleurs, on en profite pour saluer tous nos Edinotes. Petit coucou aux Edinotes. Parce que c'est important de saluer les gens. Combien coûte cette boîte? On ne l'a pas dit. 15€. 15€. Voilà. 15€ le Witty pour du beau, oui. Un peu moins. Petite ambiance.
Ok. Le son de la richesse. Le son de la De la richesse. Richesse, dis-le bien, parce que j'ai entendu le son de la chasse, moi. Je me suis dit, tiens, il... le son de la richesse. Ok. Bon. Bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Pour les Edinotes, hein, bien sûr.